Bonjour, madame et messieurs. On est là à Bakéoué, comme toujours, avec l'information, avec l'actualité. On est là. Je vais vous expliquer la situation dans la sélection de football de Guinée équatoriale, concrètement de l'expulsion de le joueur Emilio Unzué. La botte dehors de la compétition CAN. Comment commencent les choses? Plus essentiel, important. Les choses commencent à Abidjan, quand la sélection doit retourner à Malabo. Il y a une discussion à l'aéroport pour le matériel, l'équipement de la sélection. Et il y a un problème toujours dans la sélection, que quand on laisse le matériel, on laisse le matériel de la sélection, on laisse ça dans la fédération. Au retour, on ne trouve rien. Les membres de la fédération, ce qu'on appelle Fegifo, Volto, il y a un problème toujours, qu'on registre ça dans la sélection. Donc, à l'aéroport, et certains joueurs, concrètement Emilio Unzué, parlent à la direction dans l'aéroport, le terminal. Les matériels, si qu'on a maintenant, pour le protéger, on doit amener ça en Espagne. Et les autres n'étaient pas d'accord. Il y avait une discussion sur ça. Le matériel ne peut être que, on laisse le matériel à la fédération. Au retour, on doit encore payer le matériel. Donc, il y a une discussion là. Il y a une discussion. Emilio Unzué avec le président de la fédération. Donc, ça a fini là. Ça termine là. Et on retourne à Malabo. On arrive. Il y a les problèmes dans l'hôtel, comme Emilio Unzué avait expliqué, que dans l'hôtel, on arrive à l'hôtel à 8 heures. Du soir, lendemain, arrive le directeur de l'hôtel. Il parle avec le capitaine. Il lui dit, vous devez descendre à manger. C'est parce que votre heure c'est déjà arrive déjà. Vous devez sortir de l'hôtel. Emilio, je demande, pourquoi nous devons sortir de l'hôtel? Le directeur dit, c'est un Français. Et c'est parce que la fédération doit ici plus d'un an qu'il ne paie pas l'hôtel là, Sofitel de Malabo. Oh, ça passe. Emilio, je dis, je dois appeler le président de la fédération. Emilio, je commence à appeler, 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 rien ne répondait pas. Oh, c'était un problème. On devait sortir de l'hôtel. On devait sortir de l'hôtel. Emilio Unzué demande combien nous devons à l'hôtel. Il dit, c'est plus de 80 millions de francs CFA. Plus d'un an, la fédération ne payait pas l'hôtel. La sélection féminine et masculine dormait là-bas. Et la fédération ne payait pas. On n'explique pas pourquoi. Bon, la corruption, comme Emilio Unzué avait expliqué en espagnol. Et ça termine là. Emilio Unzué, il devait voyager avec ses camarades. Il voyage à leur club. Arrive au moment, Emilio Unzué, c'est le meilleur buteur de la compétition, on lui invite à la finale pour prendre la botte dehors. En cas que le joueur nigérien qui avait 3 buts aussi n'arrive pas à 5 ou plus de 5 buts, et Emilio Unzué avait marqué. Comme on te donne la botte dehors. On te donne aussi l'argent. Ça accompagne un peu d'argent, des millions, je ne sais pas combien.
et le vice-président de la République, Teodoro Obiang Nguema c'est lui qui veut aller à Abidjan pour prendre l'argent qu'on doit donner à 1 000 000 joueurs. C'est parce que l'argent là, c'est pour 1 000 000 joueurs, ce n'est pas pour la sélection. Et à l'autre côté, qu'on donne la sélection. Mais l'office de le président de la Guinée, le même qui est vice-président, il voulait aller là-bas prendre cet argent-là. Il y a la discussion entre Emilio Jouet et l'office du président. Bon, Emilio Jouet dit, non, ça là, c'est pour moi. Toi, tu ne pars pas. Si tu veux m'accompagner, oui. Pas que tu pars pour prendre, comme on donne ça, sur, comment on dit, je sais pas comment on dit en français, check. C'est une note qu'on te donne, que tu pars là-bas, on te donne ça là. Alors, mais tu pars avec la tchèque là. Je ne sais pas si on appelle comme ça en français tchèque. Donc, il y a cette discussion. Et l'office de président, qui est en même temps vice-président de la Guinée, elle dit, tu vas voir après. Ça finit. Donc, après, l'office de le président de la Guinée, le vice-président d'État, appelle à la fédération pour prendre la décision de s'expulser à 1 000 000 joueurs de la sélection pour montrer son pouvoir. Il va voir que c'est moi qui commande ici. Il ne peut plus jouer dans cette sélection. Les gars, les choses sont passées comme ça en Guinée. Il est arrivé à ça. On doit lui exposer 1 000 000 joueurs pour ce qu'il a fait. La même chose avait passé avec l'autre Ivan Edo. On dit indiscipline. Il y a le même entraîneur a dit qu'il n'y a pas le cas d'indiscipline. Comment le président de la fédération et le joueur va avoir discussion s'il n'y a pas une relation directe. On parle de administratif, cadre administratif et cadre technique. Dans le cadre technique, le leader, c'est l'entraîneur. Donc, comment le président de la fédération va savoir qu'Emilio Jouet, c'est un homme, c'est un joueur indiscipliné. Et les gars, les jeunes, mesdames, mes messieurs, jusqu'à ici avec l'affaire Emilio Jouet, jusqu'à la prochaine. Ici, Anabate Ouvé, si tu veux montrer, si tu vois bien, disculpe, s'il te plaît, excusez-moi avec mon français là. Si mon travail, tu vois ça, que c'est bien, il faut seulement faire l'inscription, il faut laisser les commentaires et je t'aime. On dit ça comme ça, non? Jusqu'à la prochaine.